90 minutes avec de nombreux rebondissements en première mi-temps. Alors qu'à la 19e minute, le premier but semble être marqué par Florian Lejoncourt, il est finalement annulé pour hors-jeu sous la déception du public. Mais il ne faudra que 5 minutes pour que la joie éclate dans le stade avec une lucarne de Michael Biron. Pour ce dernier match, il inscrit son 16e but de la saison et ouvre enfin le score. Ça a été super stressant jusqu'à la fin, on menait que à 0. Et voilà, après j'arrive pas encore à trouver mes mots, mais voilà, j'espère... que je vais réaliser au fur et à mesure, parce que là, je suis excité. Une première partie dominée par le RWDM, mais le stress revient lors de la seconde mi-temps. À la 38e minute, on est proche de l'égalisation avec un tir de Nice de Wael. Le RWDM peine dans cette partie de jeu et manque de nombreuses belles occasions. Le score, quant à lui, ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. C'est dans 90 minutes, je suis toujours nerveux. C'est la seule maman que c'est pas faire la part des choses en tant que dirigeant. C'est les 90 minutes et je dois les vivre. Et ben voilà, c'est mon adrénaline, je suis comme ça. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer cet été. On avait beaucoup de prêts, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Mais voilà, la priorité pour l'instant, c'est de fêter, de profiter de ce stade, de ce public. Et on a 5 semaines de vacances pour voir ce qui va se passer. Des vacances et surtout du temps pour réaliser qu'après 21 ans, après un début en D3 amateur, le RWDM est de nouveau dans l'élite de la D1.